Donc Philippe, coordinateur de la FMC 60, on vient soutenir l'action de la 51. Aujourd'hui, la problématique du deux-roues motorisé en France, c'est qu'on nous trouve pour la répression, on trouve qu'on va trop vite, on trouve qu'on est dangereux. Il n'y a rien qui est fait pour l'éducation, il n'y a rien qui est fait pour la formation des motards et des jeunes, et il n'y a rien qui est fait pour améliorer l'état des routes. Donc aujourd'hui, on trouve important de venir en nombre soutenir la 51, comme dans d'autres départements. Aujourd'hui, il y a des manifestations un peu partout en France. Voilà. Nous sommes accompagnés de beaucoup de motards et de quelques motards. Bonjour, Christelle, motarde depuis 2014, récente, dans la pratique de la moto. Donc aujourd'hui, je suis là pour défendre les routes, les répressions sur les droits de la moto. Beaucoup maintenant, on nous restreint sur la vitesse, je dirais les petites bêtises comme les étiquettes au niveau des gants, des casques, les tenues réglementaires. Il y a les radars embarqués aussi, donc en général on roule sur un deux roues, on fait attention aussi par rapport à notre vie, donc on est surtout beaucoup prudent par rapport à ça. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes là. Donc pas très original, je m'appelle Christelle aussi, en fait c'est une brochette de Christelle. Donc moi j'ai mon permis depuis 1989. Donc ça fait expérimentée par rapport à moi. La plus expérimentée. J'ai toujours roulé. J'ai fait, avant de faire de la route, j'ai fait 4 ans de cross. Donc voilà, j'ai toujours été attirée par la moto. Je fais de la moto avec mes enfants aussi. Donc mes enfants montent derrière moi. Donc effectivement, quand on est à deux, on n'a pas du tout le même comportement que quand je roule toute seule. Donc effectivement, on est tenté par la vitesse, mais je pense qu'on est quand même respectueux des personnes, des usagers de la route, hein, ce qui n'est pas toujours réciproque. Qu'est-ce que vous pensez de la manifestation? Donc, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Je pensais qu'il y aurait davantage de personnes. Après, il faut voir la portée de ce genre de manifestation. Je pense que ça nous fait plaisir d'être ensemble et de se battre pour une cause commune. Après, je ne sais pas si nous sommes vraiment entendus par les personnes concernées. Bon, c'est une manifestation nationale, donc beaucoup d'antennes vont se manifester par rapport à leur ville aussi. Donc après, il faudra voir ce qui se fait sur les grosses villes. Ici, il y a eu Amboise, peut-être 95 qui viendront. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a moins de monde aujourd'hui ici. Vous voulez finir? Oui. Pour moi, c'est tout.